Karim Belhossine amuseert zich op training. Met een knappe 10 op 15 sluit hij de reguliere competitie af. Karim blikt terug op zijn eerste 5 matchen aan het roer bij KV Kortrijk. Donc je pense que l'esprit du groupe est bon, je pense que on a réussi à créer et à mettre un collectif donc je suis plutôt satisfait. De kerels haalden 3 opeenvolgende zegens tegen Sint-Truiden, KV Mechelen en Zotewaregem. Die 9 op 9 gaf een boost aan het team. Quand en football on gagne, c'est toujours bon pour le moral. Mais bon, ce qui était surtout bon pour le moral, c'était de gagner, mais avec la manière, parce que je pense qu'on a joué des bons matchs, avec de l'engagement, avec du beau football. Oui, c'est clair que le match contre Zotewaregem est toujours un match spécial. Et d'offrir ce derby à nos supporters avec tous les efforts qu'ils avaient faits, que ce soit pour le tifo ou pour. Parce qu'ils étaient venus en nombre au stade et nous ont toujours soutenus. Je pense que c'était important et on leur a offert cette victoire. Op Anderlecht verloor KVK voor het eerst onder Belhossine. Paars-wit toonde zich efficiënter en won zo met 3-0. Onze coach hoopt om met zijn aanpak het team scherp te houden tijdens de play-offs. J'essaie de faire en sorte que les joueurs, que l'équipe, tout le monde se sente bien ensemble et qu'on puisse pratiquer un football attractif et offensif, mais tout en ayant des bases défensives solides et qu'on défende ensemble avec un pressing et des efforts tous ensemble. Ça joue 1-0. De kerels spelen play-off 2 met Standaard, Mouscroen en Waasland Beveren in de poule. Je pense que c'est un bon groupe, homogène, avec 4 bonnes équipes. En tout cas, nous, je vais essayer d'expliquer aux joueurs et passer le message que nous, on va les jouer à fond et que par respect pour notre club, nos supporters, on devra tout donner pour essayer de faire le maximum pour ces play-off 2.